Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens au naturel devant ma cheminée comme ça, après une bonne absence, parce que j'avais besoin de me recentrer sur certaines choses, ce qui me paraît normal. Donc oui, je ne vous ai pas prévenu ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas vous avoir plus manqué que ça, ou dites-le-moi en commentaire. J'ai eu des petits messages qui sont super sympas et je vais vous répondre bientôt. Là, je vais prendre le temps pour ça, mais donc revenons à la My Little Box du mois, qui est la My Little Super Box. Alors, avant de vous la montrer, donc au niveau du carton et de la petite étiquette dans le carton, c'est Make Yourself Epic. Et alors, un truc que j'ai jamais fait attention sur les autres, alors peut-être que ça y était, mais cette fois-ci, en fait, au niveau de mon adresse, avant mon prénom et mon nom, il y avait Merveilleuse. Donc c'est Merveilleuse Cécile. Et j'ai trouvé cette petite attention de mettre Merveilleuse Cécile comme titre vraiment sympa. Enfin, je sais pas, ça m'a plu. Donc le look de la box, elle est comme ceci. Donc voilà, super box. Superwoman, on est toutes des superwomen. Et voilà, faut se faire en sorte d'être des Wonder Woman. Donc j'aime bien les dessins, j'aime bien le look de la box. Très sympa. Alors j'ai déjà ouverte. J'ai déjà pas mal regardé des choses dedans. Donc dedans, on a toujours le My Little World. Et comme ça, en rouge, avec le pot comme ça. Je sais pas, il me donne la pêche, il me donne envie. Je l'ai pas encore lu, mais il me donne bien envie, donc j'ai hâte de le parcourir. Ensuite, premier goodies, une planche de stickers. Sans plus, ils sont vraiment plastifiés. Je sais pas du tout sur quoi ça va tenir ou quoi que ce soit, on verra. Je suis très stickers, mais bon, là, sans plus. Ouais, je ne sais pas. Ensuite, on avait ceci. Alors, il y a marqué Every girl is a super hero sur un sticker comme ça. Donc, ça. Et dedans, il y avait ceci. Alors, ceci, c'est un t-shirt. Hop! Donc, c'est une taille unique. Alors, moi, je l'ai un peu distendu histoire d'être tranquille. Et il me va. Et savoir qu'une taille unique, bon, je l'ai un peu assoupli, mais pas énormément, me va. Vous imaginez pas comment ça fait se sentir Wonder Woman. Et donc, moi, ce qu'il y a écrit dessus, c'est We can be heroes just for one day. Et pour moi, ça fait écho à une des chansons qu'il y a dans Moulin Rouge. Et vu que c'est mon film préféré, je sais pas, pour moi c'était fait pour moi, je suis heureuse d'avoir eu celui-là. Et je sais pas encore quand est-ce que je vais le porter, je pense. J'ai une petite idée sur quand est-ce que je vais le porter. Je pense que je vais le porter dimanche prochain, donc dimanche 22, pour la Stolly Girl, pour être ma propre héroïne du jour et courir les 6 km de la Stolly Girl comme Wonder Woman. On avait un petit truc comme ça à propos de Wonder Patate. Je suis une Wonder Patate et vous? Donc là, ils nous mettent 5 questions à Bata pour créer l'intimité en 15 minutes avec quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Et donc, c'est pour faire écho, enfin pour voir la pub d'un bouquin. Ça a l'air plutôt sympa, mais c'est pas mon type, mon genre, donc non. Et donc, on passe à la Poyette qui est avec des étoiles, toute simple. D'ailleurs, le ruban est tout simple, My Little Box. Alors, au final, moi maintenant, je m'en fous le ruban ou quoi, c'est accessoire. Et donc, on a toujours 3 produits. Je vais commencer avec le produit My Little Beauty. Donc, c'est le Lips and Cheeks, donc les lèvres et les joues. C'est un crayon qui vaut 14 euros sur leur corner. La couleur est vraiment super sympa. Je l'ai essayé sur les lèvres. Il me plaît beaucoup. Faut vraiment que je me refasse des gommages. Là, j'ai un peu les lèvres gercées, donc ça ne fait pas super joli. Je ne l'ai pas encore essayé en blush. Mais voilà, en blush crème. Et ils se font vraiment super simplement.
Là, je viens de l'estomper. Et je pense que ça peut faire quelque chose de super sympa. Et voilà, je m'attendais pas à ça et je suis ravie. Donc, bon produit My Little Beauty, même si je trouve qu'ils sont toujours trop chers. Donc, deuxième produit, un produit de la marque Kérinest, donc qui est fait en collaboration donc, avec My Little Box, déniché et adopté. J'ai déjà eu des produits Kérinest dans cette box-là. D'ailleurs, un que il m'en reste plus qu'une utilisation qui est dans mon projet Tenpan, etc. Que j'ai un mal fou à terminer parce que c'est pas mon truc. Et là, donc, ici il s'agit le Warp Radiance. Donc, c'est un max. Un max! C'est un masque oxygénant anti-grismine. Et il se laisse poser 10 minutes. Alors, moi, je préfère les masques qu'on laisse poser beaucoup moins de temps. Ça peut être sympa et donc ils disent qu'on peut le masser pendant les 5 premières minutes du masque. Donc ça fait quand même pas mal de temps, sachant que là nous avons un 50 ml et que c'est un full size et que ce full size vaut 33,90 €. Autant dire que c'est vraiment un produit qui vaut cher qu'on va vraiment pouvoir vraiment tester. Et si jamais on l'aime bien, bah, ça fait quand même une super découverte à un super prix. Bah, avec la box quoi. Et le dernier produit, c'est un produit Linéance. Donc c'est le gommage intense effet peau neuve minute. En une application, le grain est visiblement affiné, peau tonifiée, lisse et douce. C'est un 150 ml, donc c'est un full size aussi et il vaut 5,45 €. D'ailleurs, je n'ai pas encore été sentir ces produits, alors allons-y. Alors gommage j'aime bien parce que j'en ai plus trop en ce moment. Ouais, Eh, l'odeur est super agréable, j'aime bien. C'est à l'abricot, voilà. 100% grain de noyau d'abricot. J'adore, ça me fait penser à ceux de chez Yves Rocher. Ça sent bon l'abricot, mais c'est doux, c'est pas agressif ou quoi. Franchement, ce produit me tente bien aussi, donc je suis ravie de tous les produits. Après, le rapport avec le fait que ce soit la super box. Je ne sais pas, ça me laisse perplexe. Alors on est sur le thème Wonder Woman, super pouvoir, etc. Ben là, je sais pas. Je trouve que c'est une très bonne box, mais je vois pas le rapport avec le thème. Alors oui, le t-shirt, les stickers, mais au niveau des produits, je sais pas. Enfin peut-être le rouge à lèvres, enfin le crayon. Mais après, au niveau des produits, je ne sais pas. Donc voilà. Et donc à titre indicatif, le t-shirt. Vaut 39 €. Voilà. Et les stickers, 5 €. Ça fait cher quand même pour une planche de stickers. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette box. Promis, je reviens très vite. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux. Profitez de la vie.